Rénovation et la reconstruction du Lincoln, c'est un moment très attendu, pas seulement par moi en tant que militante dans une association pour le patrimoine, mais pour tous les Casablancais. Vu sa position et sa taille, c'est un repère urbain très important sur le boulevard Mohamed V. On se repère très facilement grâce à son architecture sur le boulevard. L'hôtel Lincoln ou l'immeuble Bessonneau à l'origine a été une étape très importante dans le parcours de notre association, puisque au tout début de l'association, donc c'est le premier bâtiment dont les façades ont été inscrites au patrimoine national en l'an 2000, pour le sauvegarder, puisqu'il était voué à la démolition et donc à la disparition. Donc c'était, on va dire, la première victoire du travail de l'association, puisque ça a permis d'éveiller un peu la conscience autour du patrimoine. Avec le groupe Réalité, la rénovation et la reconstruction de l'hôtel Lincoln va donner un cas d'exemple à suivre par tous les opérateurs économiques pour montrer concrètement que le patrimoine aussi peut être accompagné économiquement et que ça peut être valable pour des projets importants pour la ville. En sauvant le Lincoln, en le refaisant revivre, on va refaire revivre tout le quartier et on va redonner son prestige à ce boulevard où il y avait une vie que tous les Casablancais connaissaient très bien. Il faut absolument qu'une politique de mise en valeur de ce patrimoine, elle doit être appliquée à tous les niveaux et montrer encore une fois que le patrimoine est générateur de revenus et que ça peut aussi fonctionner pour le développement économique de la ville. Donc ça doit être corrélé par des aides de l'État, par des allègements fiscaux, par une assise juridique qui pourrait faciliter aux porteurs de projets de pouvoir faire revivre un patrimoine. On travaille ensemble avec le groupe Réalité. Il y a une opération de concertation et aussi pour pouvoir mener des actions de sensibilisation autour de la valeur de ce bâtiment dans le paysage architectural de la ville, et avec des opérations qui pourraient toucher le grand public. Nous sommes actuellement au sixième mois de travaux des premiers lots qui étaient lancés. Nous avons fait la première partie qui consistait à conforter et stabiliser les façades existantes, donc à travers la mise en place de la charpente métallique qui était dimensionnée pour cet effet. Ces travaux, ils ont été effectués tout en ayant un suivi très rigoureux sur les mouvements de ces façades pour éviter qu'il y ait d'incidents et qu'il y ait un risque sur leur stabilité à travers un système de monitoring qui donnait instantanément les déplacements au millimètre de ces façades. Durant ces deux dernières semaines, une fois on a fini de stabiliser les façades et réceptionner ces ouvrages-là par l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, bureau d'études, bureau de contrôle et architecte, nous avons enclenché rapidement par les travaux de déconstruction des murs intérieurs. Bien évidemment, on avait la dimension de sécurité qui s'en suivait vraiment de très près. Et là, nous sommes au sixième mois sans accident, sans incident sur site pour des travaux assez complexes. Donc, tous ces travaux-là sont en cours. Et là, pour un objectif de terminer dans 3-4 semaines les travaux de démolition jusqu'au niveau zéro pour qu'on puisse par la suite enchaîner par les travaux de terrassement et reprise en sous-œuvre pour lesquels les études d'exécution sont là actuellement en étape finale de validation pour permettre un démarrage des travaux suivant notre planning, suivant ce qui a été prévu.